Salut les amis, petite vidéo super sympa cette fois. Je vais vous présenter un jeu extraordinaire. Ça aurait pu faire penser à Rayman, mais vous allez voir, vous allez incarner un petit esprit nommé Ori qui devra sauver la forêt suite à des événements mystérieux. Ce jeu est exclusivement sur Xbox, PC, Switch. Et j'ai envie de parler langage poker, j'ai envie de dire il y a full Microsoft. Il est sorti en 2015 et j'ai eu la chance de le connaître. Cette année-là. Vous découvrez plusieurs lieux magnifiques et en explorant ces endroits, des pouvoirs vous seront utiles. Ce que j'aime bien dans ce jeu, car c'est le fonctionnement de la quête, je vous explique. Lorsque vous allez à un endroit, vous débloquerez des pouvoirs qui vous permettra de sauter plus haut, de courir plus vite, de faire des bombes avec votre personnage, etc. Ça, vous allez voir dans le jeu, il y a des multitudes de compétences et de pouvoirs. Et pour réussir les 100% à chaque endroit, il vous faudra revenir avec vos pouvoirs que vous aurez récupérés. Car des endroits peuvent être bloqués si vous ne possédez pas ce genre de pouvoir. Le gameplay est juste incroyable, le déplacement reste assez fluide et j'en parle pas de la musique tellement elle est prenante et relaxante. Tu développeras avec le temps des compétences et de nouveaux pouvoirs. Ce que je trouve bien aussi, c'est dans le menu, tu as le temps de jeu, le pourcentage de la finition du jeu, le nombre de morts qui peut créer des challenges entre joueurs qui aura le moins de morts avant la fin du jeu. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de poser votre meilleur pouce bleu qui me fera grand plaisir. Je vous laisse apprécier ces images et la musique tellement belle. Attention, hein, ne dors pas hein, derrière ton écran, c'est pas une berceuse. Hein. Allez, à plus tard les amis et au prochain épisode sur Ori.